Amen. Amen. Our Lord is wonderful. I pray this morning. Tu mérites notre louange ce matin. Are you happy to be in the presence of the Lord this morning? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you.
Thank you.
Thank you.
to worship them on title. Just be the attitude of worship. Just don't look at the empty chair. Don't look at your neighbor. You are not here for your neighbor. You are here for yourself this morning. You are here to receive for the Most High God this morning. You know, through worship, you can receive your healing. Au moment de l'adoration, tu peux recevoir ta guérison. You can receive that miracle you have been waiting for. Tu peux recevoir le miracle que tu attends. You can receive your blessing. Tu peux recevoir ta bénédiction. As soon as God is here, from the beginning of this service. Dieu est déjà là depuis le début de ce service. Just concentrate. Sois juste concentré. Grab every moment of it. Bénéficie de tout le temps, le tout, tous les instants de ce culte. Amen. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure. Thank you.
glorifié ce matin. Nous bénissons Dieu pour sa présence ce matin. Bien-aimé, rien ne vaut la présence de Dieu. There's nothing better than the presence of God. Rien ne vaut la présence de Dieu. There's nothing better than the presence of God. Là où Dieu est là, where God is, la joie ne manque pas. Joy never lasts. La paix ne manque pas. Peace never lasts. Le bonheur ne manque pas. Goodness, you don't have goodness. Mais lorsque tu vois quelqu'un dire qu'il a Dieu, when somebody, when you hear somebody say, I have God, qu'il est tout le temps en train de se plaindre, and always complaining, tout le temps en train de pleurer, always crying, ça veut dire qu'il y a quelque chose. It means there's something. Bien aimé, je précise bien. I'm precising. Et je le répète. And I'm repeating. Si quelqu'un dit qu'il a Dieu, if somebody says he has God, et que tu le vois tout le temps en train de se plaindre, and always see him complaining, ou en train de pleurer, or crying always, il y a quelque chose qui ne va pas. It means that something is not okay. Bien aimé, là où Dieu est là, where God is, il y a la liberté. There's liberty. Il y a la paix. There's peace. Il y a la joie. There's joy. Il y a le bonheur, bien aimé. There's goodness. Every one of us here, en venant ici ce matin, we are coming here this morning, a son problème, si je peux dire comme ça. As your problem, if I can say that, as your problem, il y a quelque chose qui ne va pas, une difficulté. Oh, they have some difficulties. Lorsque tu rencontres cette même personne, and when you meet that kind of person, dans son appartement, in his own house, il va peut-être avoir la main comme ça. You always see him putting his own hand on the door. Ou bien tu vas le voir le visage un peu froncé. Or you will see his face, maybe his face not clear. Mais cette même personne, and that same person, lorsqu'elle quitte chez elle, when he left his own house, avec la même attitude, with the same attitude, avec la même mentalité, with the same mentality, lorsqu'elle entre en ces lieux, once they came to this place, avec l'attention pour la présence de Dieu qui a fait, with the atmosphere of God, cette personne en train de chanter, you see the person, cette même personne en train de crier, cette même personne en train de rigoler, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il fait bon vivre. Amen. Et ce matin, and this morning, peu importe ton problème, no matter your problem, peu importe ta difficulté, no matter your peu importe ce que tu traverses, no matter what sache que Dieu est là. Sache que Dieu est là. For what he has not done for others, il peut le faire pour toi. He can do it for you. Il peut le faire pour toi. Bien aimé, ton cas, c'est ton cas. Ton cas, ton problème. Your situation, your problem is your problem. C'est ton cas. It's your own situation. Et Dieu nous traite. And God will. Chacun selon. God will treat you according to your time. Parce que la foi active seulement ta foi. This morning I want you to activate your faith. Active simplement ta foi. Activate your faith. Et toi-même tu verras et tu témoigneras de la foi. Amen. And you will see the glory of the glory of God. Que tu as acclamé tout à l'heure. Amen. Crois à ton miracle de ce matin. Tu vas acclamer Dieu différemment de la manière dont tu l'as fait. Amen. You will see the glory of the glory of God. Differently the way you clap this morning. Je crois que personne n'a besoin d'être mal. Que les hommes n'ont pu donner solution. That men do not give a solution. C'est même Dieu. And the same God. Dont nous parlons ce matin. That we are speaking about this morning. C'est lui qui avait donné la solution. Amen. And he's the one that gives solution. Et même s'il l'a fait pour les autres. And if he has done to others before. Il est capable de le faire. He's still able to do it. Garde ta foi ce matin. Just hold your faith. Garde ta foi ce matin. Hold your faith this morning. La même matière que Dieu avait utilisée pour créer Anne. The same material that God used to create Adam. C'est la même matière qu'il avait utilisée pour te créer. It's the same material that used la to même matière qu'on a utilisée pour créer David. The same material that God used to create David. Pour qu'il devienne le vaillant héros. To become the vaillant hero. La même matière qu'on a utilisée pour Gédéon. The same material that used to create Gédéon. That we call the same c'est la même matière que tu as utilisée pour toi. Que tu simplement ce matin. Que tu négliges pas.
Donc, don't neglect. Ton tour arrive. Que ces paroles leur relèvent éternel. Amen. Pour ceux qui étaient tombés. Those are fell already.
Nous te rendons toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons fidèlement prié. Et nous disons Amen. Et lorsque nous acclamons le Seigneur, nous recevons un instant. Que Dieu soit loué. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. You all are beautiful this morning. Êtes-vous content d'être dans sa présence ce matin? And for the men, you guys are handsome. And I want you to know. J'aimerais que nous puissions savoir. That you are not here by mistake this morning. Tu n'es pas ici par hasard. As many that is here this morning. Si tu es là ce matin, en sérieux. God has ordained you to come and hear from me. C'est Dieu qui t'a confié. And I pray you are going to be here the same. Je prie que tu ne sortes pas de ces lieux tel que tu es entré. You are going to receive from God this morning. Nous allons recevoir quelque chose de Dieu ce matin. And I still want you to help me to thank our daddy and mommy. J'aimerais que vous puissiez m'aider à saluer ou à remercier notre pasteur et notre maman. Although they are not here. Et les personnes qui ne sont pas là. But they gave me the opportunity to be here this morning. Qui m'ont donné cette opportunité d'être ici présent. To stand before you this morning. Je les remercie pour cela. To speak to you. Pour parler. Praise Master Jesus. Que Dieu soit béni. I just want us to bow our head and pray. J'aimerais que nous puissions. Just let God and God talk to me. Nous allons prier et demander à Dieu de nous parler. No matter how I'm going to hear the word. De la même façon. No matter how I'm going to hear the word. Peu importe la manière dont la parole va être donnée ou prêchée. But give me your understanding of your word. Permets-moi d'entendre ou de comprendre ta parole ce matin. Open your heart and pray. Commence à prier bien aimé. Ce matin, Seigneur, je m'abandonne en très divin. Ouvre mon entendement spirituel afin que je reçoive de toi la parole qui t'est parlée, que tu as mis dans le cœur de son service. Viens dans le ciel pour le transmettre ce matin. Et moi, pour mon esprit, mes oreilles et mon cœur, que soit ainsi. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. And another thing I want you to be happy. Je mérite que vous soyez contents. The Bible said, it said, somebody said, I am glad when I hear, let us go to the house of God and pray. La Bible dit, je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. When you have a sound mind in the house of God, when you have a pure heart, lorsque tu as un cœur pur dans la maison de Dieu, you must receive something. Tu vas recevoir quelque chose. Amen. Whether you like it or not. Amen. Que tu puisses avoir. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus-Christ. My topic this morning. Mon thème ce matin. Carry is to carry God is better than follow God. Avoir Dieu est mieux que suivre. I say it again. Je le répète. To carry God is better than to follow God. Avoir Dieu dans sa vie est meilleur que le suivre. I pray you listen to me attentively. J'aimerais que tu puisses me suivre attentivement. So that you must have something to take back home. Et tu vas recevoir quelque chose ce matin. And somebody asked me and said, what do you mean by carrying God? Quelqu'un peut me poser la question en disant, qu'est-ce que tu entends par avoir Dieu? And I said, yeah. Et je dis ceci. Carrying God is to do what God wants me to do. Avoir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu désire. To hear what God wants me to do. Porter Dieu, et faire ce que Dieu veut. And I do that. Et le faire. And you will think, can I just hear what God wants me to do? Est-ce que vous pensez que si je veux simplement écouter ce que Dieu veut que je fasse, and I do it, et je le fais, then you ask me, you tell me that I carry God, et vous allez me poser la question, est-ce que
que je porte Dieu. And someone will say, how can somebody carry God? Et vous allez encore poser la question, comment est-ce qu'un homme peut porter Dieu? Many of us carry God here, we don't know. Certaines personnes portent Dieu ici, mais ne le savent pas. Praise Master Jesus. Que Dieu soit loué. Praise Master Jesus. Que Dieu soit loué. And I want us to see John, and we are going to be looking the Bible. John 10:27. Jean? John, yeah. Chapter 10. Chapitre 6. 27-28. Just carry your Bible, we are going to hear from the Bible, we are going to read from the Bible, we are not going to just talk like, just like that. Nous allons lire dans la parole de Dieu, nous n'allons pas parler, nous n'allons pas faire que parler. Nous allons naviguer dans la parole. And if you are there, you can read. Si vous êtes là, vous pouvez lire. Jean chapitre 10. Someone there? I want all dear aunties to read for us. Amen. My sheep hear my voice, and I know his sunset. Yes, continue. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Praise and I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Praise Master Jesus. He said, my sheep hear my voice. Okay. Amen. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Amen. Amen. Il dit, my sheep, hear my voice. Mes brebis écoutent ma voix. And I know them. Je les connais. And they follow me. Et elles me suivent. But that is the one that carry God. Ça, ce sont les gens, les personnes qui portent Dieu. Not only to follow. Pas seulement suivre. When you hear the voice of God. Lorsque tu entends la voix de Dieu. And when you do the word of God. Tu fais ce que la parole te demande. I want you to know. J'aimerais que tu puisses le savoir. You carry God within you. Tu portes Dieu en toi. You carry God within you. Tu portes Dieu en toi. And listen to the promise. Écoutez la promesse. He said, and I give them eternal life. Et je leur donne la vie éternelle. And they shall never perish. Jamais elles ne périront. Neither. Non. Shall any man snatch them out of my hand? Jamais personne ne pourra les arracher de ma main. Why are we here? Pourquoi sommes-nous là? So that. C'est pourquoi? You and I. Toi et moi. May not perish. Que nous ne puissions pas périr. And that is the promise of God. Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Praise Master Jesus. Que Dieu soit loué. Let us see. As many that is following God or that think that they are following God. Regardons ceux qui prétendent ou ceux qui se disent suivre Dieu. Many people are following the devil. Beaucoup de gens suivent le diable. Why? Pourquoi? Because they think they are following God. Ils pensent suivre Dieu. And they are following the devil in the name of Jesus. Ils suivent le diable, mais derrière le nom de Jésus. In our generation today, dans notre génération aujourd'hui, do we not know the right churches? Do we know je connais la, je bien la, l'église? Madame, please, I'm sorry, I don't speak French. I just want you to understand what I'm trying to say. Many people are following the devil. Beaucoup de gens suivent le diable. Because why? Pourquoi? We don't know the right churches. Nous ne connaissons pas les vraies églises. We don't
know the right pastor. Nous ne connaissons pas les vrais pasteurs. We don't know the right prophets. Nous ne reconnaissons pas les vrais prophètes. Why? Pourquoi? Because we are looking for miracles. Amen. Parce que nous suivons les miracles. We are looking for miracles. Ce qui nous intéresse, c'est le miracle. And all those pastors, all these prophets and churches, they are doing it all in the name of Jesus. Tout ce qu'on appelle les prétendants pasteurs, prophètes et l'église, tous travaillent derrière le nom de Jésus. You will see a demon in the pulpit. Et vous voyez les démons. He will be preaching. Il prêche. Healing. Guérir aussi. Giving prophecy. Donner des prophéties. Delivering people. Délivrer les gens. All in the name of Jesus. Toujours au nom de Jésus. Why? Pourquoi? Because Jesus. Parce que Jésus is a lovely Father. Il est un père aimant. Whatsoever you do, tout ce que tu fais, He doesn't ask you at the moment. Il te le demande pas de suite. He's very patient. Il est patient. He gives you time. Il te laisse le temps. To see, de voir. If only you will change. Que tu puisses changer. Amen. Praise Master Jesus. Amen. Praise Master Jesus. No wonder Osaiah 6:4 said. Osaiah 6 dit ceci. He said, My people perish with a lack of knowledge. Mon peuple périt par manque de connaissance. Praise Master Jesus. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. I want us to see. J'aimerais que nous puissions voir. Someone. Quelqu'un in the Bible, dans la Bible, that carried God, qui a porté Dieu, and see the life of this person. Et voyons la vie de cette personne. Praise Master Jesus. Que Dieu soit loué. Can we open to Genesis chapter 39, verse 1 to 6? Genèse 39. Praise Master Jesus. Are you okay with me? Et vous avec moi? Genesis 39. Just for one. Is someone there? Quelqu'un a-t-il trouvé? Now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him from the Ishmaelites, who had taken him down there. The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptians. And his master saw that the Lord was with him, and the Lord made all he did to prosper in his hand. 4. So Joseph found favor in the sight and said him. Then he made him overseers of all of his house and all that he had put under his authority. 5. So it was from the time that he had made him overseers of his house and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessings of the Lord was on all that he had in the house and in the field. 6. Thus he left all that he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. Now Joseph was handsome in food. 6. It's okay. Was handsome in form and appearance. Amen. Amen. Je lis en français. Genèse 39, au verset 1. Joseph arriva en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites. Il avait conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussit ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait.
Ainsi, Joseph obtenit la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qu'il appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien sauf ses repas. Parole du Seigneur. Praise Master Jesus. Amen. What we just read now. He said Joseph had been taken down to Egypt. Joseph arrivé en Égypte. Why? Because his brothers sold him for the Egyptian. Parce que ses frères l'ont vendu aux Égyptiens. Why? Just because he told them his dreams. À cause de son rêve, ses frères l'ont vendu. But unknown to them that God was with Joseph. Nous ne savons pas que Dieu était avec Joseph. And he said, Joseph had been taken down to Egypt and Potiphar, an officer of Pharaoh. The officer of Pharaoh. Joseph arrivé en Égypte avec donc été acheté au Ismaélite qui l'avait conduit par Potiphar, haut fonctionnaire du pharaon, chef de la garde royale. Captain guard and Egyptian body for the Israelites who had taken him down there. The Lord was with Joseph. Dieu était avec Joseph. That is when God is with you. Lorsque Dieu est avec toi, it doesn't matter where you are. Cela ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, du lieu où tu te trouves. Even though they say this person, we don't want him to prosper. We don't want him to grow. We don't want him to succeed. We don't want him to do any good thing, to see any good thing from him. Même lorsque les gens déclarent qu'ils ne veulent pas te voir prospérer, te voir aller de l'avant en très grand, cela ne fera rien. If God with you, si Dieu est avec toi, if God intervenes in that situation, si Dieu intervient à cette situation, dans cette situation, if God is with you, si Dieu est avec toi, you will just, in fact, you will look like a great man. Tu vas paraître comme un grand homme. Even when you have nothing, même si tu n'as rien. Let us see the story of Joseph. Let me analyze it for you. Laissez-moi analyser cette histoire de Joseph pour vous. He said the Lord was with Joseph and he was a successful man. La Bible dit Dieu était avec Joseph et il était un homme prospère. God called Joseph a successful man even when he had nothing. Dieu appela Joseph un homme prospère même lorsqu'il n'avait rien. And he was in the house of this man. C'est à cause de cet homme. And his master, sorry to say, his master, the Egyptian. Son maître, l'Égyptien. And his master saw that the Lord was with him. Et son maître, l'Égyptien, avait remarqué que Dieu était avec Joseph. And that the Lord made all he did to prosper in his hand. Et Dieu faisait prospérer tout ce qui passait entre les mains de Joseph. Praise Master Jesus. Dieu soit aimé. Has someone told you that God is with you? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Dieu est avec toi? Have your boss in the work or anywhere you go found that this person, God is with him. All that he's doing with me prosper. Have you ever experienced that kind of thing? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà expérimenté cela, que tu es au travail, peu importe où tu te trouves, et que les gens remarquent que tout ce que tu fais va de l'avant? Brethren, bien-aimé, do you know that what happened to Joseph in the Bible? Vous savez ce qui est arrivé à Joseph dans la Bible? Not only in the Bible is happening. Ce n'est pas seulement que cela arrive dans la Bible. It's happening to people around the world. Amen. Amen. Cela arrive aussi à toutes les personnes, arrive aussi aux gens sur la terre. Today, if you have never experienced such power,
Si tu n'as jamais expérimenté cette chose ou cette, tu n'as jamais vécu cette expérience, I want you to carry God with Joseph, carry God. J'aimerais que tu puisses porter Dieu comme Joseph l'avait fait. I want you to experience God's power. J'aimerais que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Even in your work or place, même en ton lieu de travail, or in your place of work, ou dans ton lieu de travail, your chef will see that since you came into my company, et que ton responsable puisse remarquer depuis que tu es arrivé au service ou dans le département, things have changed for me. Les choses ont changé pour lui. Amen. Things have changed for me. Les choses ont changé pour lui. Things have become greater. Les choses grandissent. He said immediately Joseph stepped into Potiphar's house. Depuis que Joseph est entré dans la maison du de Potiphar, il said Potiphar notified Joseph that God is with this man. Potiphar avait remarqué tout de suite que Dieu accompagnait Joseph. How did he notify this? Comment est-ce qu'il a remarqué? You think when Joseph went to Potiphar's house? Imaginons comment Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. He began to sleep. Il a commencé à dormir. He began to drink. Il a commencé à boire. He began to play. Il commence à jouer. Non, bien aimé. Joseph was praying. Joseph était en train de prier. Joseph was seeking God. Joseph cherchait Dieu. Even in the hand of slave. Même en étant esclave. Even in the hand of his master. Oh, même en étant maître. He was praying. Il était en train de prier. And the master found out. Et le maître l'avait vu. Not because Joseph prayed. Pas parce que Joseph priait. Maybe not because he saw Joseph praying. Ce n'est pas parce qu'il a vu Joseph prier. But he experienced it in his own way. Il a expérimenté cela dans le quotidien. That this man, cette personne, there is something different in him. Il y a quelque chose de différent en lui. Since he came to my house, depuis qu'il est arrivé, dans this has been moving far. Les choses commencent à avancer. This has taken from what's wrong to who. Les choses commencent à aller de mal en bien. Brethren, today this morning, ce matin bien aimé, if you have not experienced such power, si tu n'as pas encore expérimenté ceci, I want you to prepare your heart. Je voudrais que tu puisses te préparer à cela. For this kind of miracle, c'est pour ce genre de miracle. Begin to prepare your heart. Commence à préparer ton cœur. Ne dis pas lorsque j'irai là-bas, on va me chasser. Maybe you are seeking for a job. Peut-être que tu cherches un travail. Or maybe you are looking for a document. Peut-être que tu cherches le titre de ce jour. And it didn't come. Et cela ne vient toujours pas. And you will say, tu te dis, I don't think they will give me. Je ne pense pas qu'ils me donneront. I don't think I will have this job. Je ne pense pas avoir ce travail. Why did you think? Pourquoi penses-tu? Why don't you think like Joseph? Pourquoi ne penses-tu pas? Oh yes. That's it. Oh yes. That's it. I have God in me. Il était esclave, mais il se disait Dieu en moi. I want you to say to yourself, greater is he that is in me. J'aimerais que tu te dises en toi-même. Il est en moi. Brethren, many of you carry God, you didn't notify it. Beaucoup portent Dieu, mais ne le savent pas. Alléluia. Many of you are God. Beaucoup de gens sont comme des Joseph en ces lieux. La route ou le chemin qui a été tracé pour toi. Parce que le diable est en train de combattre ton esprit. Who is telling you it is not possible? Et qui te dit ce n'est pas possible? You refuse yourself. Et tu m'incules toi-même. And say, et tu te dis, they cannot accept me. Ils vont pas m'accepter. They cannot give it for me. Ils vont pas me le donner. Why can't you think like Joseph? Pourquoi ne penses-tu pas comme ça? Why can't you carry God like Joseph? You will say all things are possible. Oh, tu te diras toutes choses sont possibles. For them that believe, I will have all things. Oh, je sais toutes ces choses. Through Christ that strengthened me. And Dieu te fortifie. And you will say, parce que je Dieu avec moi. Je ne vais pas échouer. Spirituellement, physiquement, spirituellement. Brethren, bien aimé, it's not for those that follow God.
Ce n'est pas pour les gens qui suivent simplement Dieu. But it's for them that do carry God. Oh, c'est aussi c'est simplement pour les gens this, pour qui portent Dieu. This is why. C'est pourquoi. I am trying to tell you this morning. C'est-à-dire que je cherche ou je me débat à vous expliquer ce matin. Don't come to church for nothing. Ne viens pas à l'église pour rien. Don't be a slave that is following God. Ne sois pas de ceux qui suivent Dieu. That is following the pastor. Ceux qui suivent le pasteur. When the pastor says that there is miracle there, you run there. Lorsqu'on dit qu'il y a un pasteur qui opère le miracle là-bas, tu cours vite pour les miracles. When you see that this is happening, you know not happening, then if you're not saved, you will not follow. Lorsque tu vois que là-bas il y a des choses qui se passent, tu quittes là où tu étais. Tu vas de l'autre côté là où on a vu qu'il y a des choses qui se passent. Don't be a follower, Christian. Oh yes, ne sois pas un suiveur. It's time for you to know who you are in Christ Jesus. Il est temps que tu saches qui tu es en Jésus-Christ. It is time for us to know who we are in Christ Jesus. Oh yes, il est temps pour nous de savoir qui sommes-nous réellement en Jésus-Christ. We are born to make things change for you. Amen. Nous sommes nés pour que le changement, les choses Amen. Changent. Amen. Did you know as a Christian? Est-ce que tu sais en tant que chrétien? You are a candidate for the devil to fight. Tu es un candidat potentiel pour que le diable échoue. Because you give your life to God. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. The devil is not leaving you alone. Le diable ne te laissera pas tranquille. He's fighting to today. Il va te combattre tout le temps. He said the devil is like a roaring lion. Il est comme un lion rougissant. Looking for someone to devour. Cherchant qui dévorer. In John 10:10. Dans Jean 10:10. He said he has the devil has come only to steal. Le temps arrivera. To kill. Car le diable viendra pour te manger, tuer, and to destroy. Et détruire. But Jesus said. Mais Jésus dit. I have come. Et moi je viens. To give you life. Pour donner la vie. Amen. J'aimerais que nous puissions porter ce. How many can we say? Praise Master Jesus. He said, let us see. He said, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. Celui-ci remarqua l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il avait. You can be this candidate. Tu peux être cette personne. You can be this person. Tu peux être ce candidat. That wherever you go, partout où tu passes, they will see Christ in you. Ils voient Dieu en Christ en toi. Even when you don't say it out, même si tu ne le dis pas ouvertement, they will see. They will see ils verront les grandes choses. Même s'ils ont fait des plans as you are, as you arrive. Pour que as you come in, lorsque tu arrives, the story will change. Les choses vont changer. The story will change. L'histoire va changer. Have you ever seen someone? Est-ce que tu as vu quelqu'un? That they plan to go and kill. Pour qui on a fait un plan pour tuer? When they get there, lorsqu'il arrive à l'endroit, they begin to pray for this person. Ils commencent à prier. They begin to rejoice with him. Ils commencent à se réjouir avec lui. Don't forget that verse in the Bible. Ne n'oublions pas ce conseil. That said, qui dit? They went to go and read the prophets. Ils sont partis pour aller. One king in the Bible, I forgot that verse. He went to go and arrest the prophet. Il est parti pour arrêter le prophète. To come and cause Israel. Et pour maudire Israël. Ils sont allés chercher un prophète pour maudire Israël. The Bible said. Et la Bible dit. Each time this prophet decided to cause. Et la Bible, lorsque le prophète est arrivé pour maudire, he said he began to pray for them. Et la Bible dit qu'il a commencé à bénir, il a commencé à prier pour eux. That's your God. He said, and Joseph found favor in his eyes. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître. And sent him then, he made him overseer of his household. Let me explain. Because when I start à son service, when I begin to read, it will take long time here. Si je continue à lire, on va prendre beaucoup de temps. He said, il a dit, Joseph, he made Joseph overseer of his own house. Il a donné à Joseph la gestion de tous ses biens. Somebody he bought. Tout ce qu'il fait.
as a slave. Il était esclave. He gave his slave everything. Il a donné à cet esclave qui était Joseph la gestion de ses biens. Potiphar gave Joseph everything that he has. He has workers, he has company, he has money. Potiphar a donné tout ce qu'il avait à Joseph. Le corps qu'il puisse le coordonner. The Bible says, except the food that Potiphar eats. La Bible a précisé sauf la nourriture qu'il pouvait manger. He could not give to Joseph because that is the only thing he can account of. C'est la seule chose qu'il n'a pas donné, le repas. The food that he eats. La nourriture qu'il pouvait manger. Joseph was in charge of everything. Joseph avait la charge de toutes choses. Praise Master Jesus. Que Dieu soit loué. Did you know the worst parts? Did you know the other parts? Savez-vous la suite de l'histoire? When the wife, lorsque la femme, saw that Joseph has become the head of everything, the wife even said, wanted to submit herself to Joseph. Lorsque la femme avait remarqué que Joseph avait l'intégral contrôle de tout ce qui appartenait à son mari, elle-même aussi est allée vers Joseph. That is where I told you. C'est ainsi que je vous ai dit. That the devil will never leave you alone. Que le diable ne te laissera pas tranquille. As a child of God. En tant qu'enfant de Dieu. Don't think because you know God, the problem will not come. Ne pense pas que comme tu connais Dieu, le problème n'arrive pas. Don't think because you pray. Ne pense pas que parce que tu pries 3 ou 5 fois par jour que les problèmes n'arriveront pas. But if only you carry God, mais lorsque tu portes Dieu, this problem, do you know what they will do to you? Tu sais comment est-ce que tu vas résoudre ce problème? The problem as it begins to come, it will be making you go higher and higher. Amen. And higher. Amen. Lorsque le problème arrive, ce problème-là t'aidera à aller de l'avant, de commencer à faire les pas vers l'avant. Amen. Did you know that even Joseph, the wife came, if she could not succeed Joseph, he lied against Joseph that he wanted to rape him, rape her. Lorsque la femme est arrivée, elle pensait corrompre Joseph, mais lorsqu'elle n'avait pas réussi, elle a menti sur Joseph. And through that, Joseph was taken to the prison again. Et c'est ainsi que Joseph alla encore en prison. I tell you what God can do. Je te dis ce que Dieu est capable de faire. What God cannot do does not exist. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Even in the prison, même en prison, Joseph was made the head of a prisoner. Joseph continuait à gérer la prison. That is why I'm telling us. Let us carry God. Pourquoi tu es bien aimé? Rather than following God. Au lieu de suivre. Because when you carry God, lorsque tu portes Dieu, you will see a difference. Tu verras la différence. When you are following God, lorsque tu suis Dieu, you will remain like that. Tu seras le même. You will remain like that. Tu vas être le même. When problem comes, lorsque le problème arrive, you cannot solve that problem. Tu ne pourras pas apporter la solution. Pourquoi? That is when you begin to look for prophets. Et c'est ainsi que tu vas commencer à chercher les prophètes. You begin to look for a miracle. Tu commences à chercher les personnes qui font des miracles. You begin to look for different pastors. Tu commences à côtoyer différents pour prier pour toi. But when you carry God, mais lorsque tu portes Dieu, you don't look for anyone. Tu ne cherches pas personne. Okay, let us think that every one of us can carry God. Essayons d'imaginer que chacun d'entre nous ici porte Dieu. When we come here to worship God, how will this place look like? Lorsque nous portons tous Dieu et que nous arrivons en ces lieux, nous commençons à adorer le Seigneur. Imaginons comment l'atmosphère sera en vous. The glory that will be in this place. La gloire qui va descendre en ces lieux. Brother, let me quickly show you. Laissez-moi vous montrer très vite. What I mean. What amazes you? To know that I really carry God. Qui va vous montrer qu'est-ce qui va te faire voir que tu portes Dieu? Can we just quickly open to Galatians 5 verse 19? Galatians 5 verse 19. Just begin, because I will take you a little time if I'm a little bit late. Galatians 5.
Praise Master Jesus. I want us to change. J'aimerais que nous puissions changer. That when we are serving, when we are coming to church on Sunday, lorsque nous venons à l'église le dimanche, we really know that we are coming to receive something. Que nous puissions savoir que nous allons recevoir quelque chose. We know that the house of God is a house of blessing. Que nous puissions mettre en tête que la maison de Dieu c'est la maison de bénédiction. That when you leave this place, lorsque tu quittes ces lieux, even when you are in your car, même si tu es dans ta voiture, even when you are in your home, même si tu es dans ta maison, even when you are at work, même si tu es au travail, you will know que tu le saches, that God, que Dieu is with me, est avec moi, that I carry God, que je porte anywhere I go, partout où je passe. God is not in this place. Dieu n'est pas en ce lieu. God does not sleep here. Dieu ne dort pas ici. As we come here, God come here. Lorsque nous venons ici, tu es bien. As we are sitting here, God is sitting here. Tu t'assois ici, tu es. And as we leave this place, lorsque nous quittons ce lieu, maybe someone else will come to rent this place for a party. Lorsque les gens viennent ici, then we buy drink and buy anything and do a big deal do party. Commence à faire une fête en ce lieu. Where you go, God go. Lorsque nous partons, Dieu part. I want you to go. Where you go, God goes. Lorsque tu pars, Dieu part aussi. Be that person that carry God with him. Sois cette personne qui porte Dieu avec. Be that person. Be that brother. Be that sister. Be that man. Be that woman. Sois ce frère. Sois cette sœur qui porte Dieu. Praise Master Jesus. Dieu soit loué. Let us know some things that will make us to know that these things we do, then you will know that it's not easy. It's not because why? The glory of God is la not. De Dieu. It's not favor. Ce n'est pas une faveur. The glory of God is to do, as we said. It's to do. La gloire de Dieu c'est de faire. C'est what, que Dieu veut. What God said we should do. C'est que Dieu veut que tu fasses. Praise Master Jesus. Can somebody read for us? Let me quickly read to just. Galatians 5:19. Yes. Galatians 5:19. I read. Praise Master Jesus. Just one please. He said, now the work of the flesh are evident. Tout le monde voit bien ce qui précède, tout ce qui précède de l'homme livré à lui-même. And when I'm telling us right now, when you find yourself in this category, lorsque tu te suis toi-même, in this category, lorsque tu te retrouves dans cette catégorie des personnes que nous venons de lire, I want you to repent. J'aimerais que tu puisses te repentir. I want you to repent from it. J'aimerais que tu te repentes pour cela. You can do it. You can do it. Tu peux le faire. You can test me. Maybe sin will just come to you face to face. Le péché vient vers toi face à face. You can tell me, I rebuke you in the name of Jesus. Tu peux dire au péché que je te refuse au nom de Jésus. Remember the Bible says. Souviens-toi de ce que la Bible dit. It says, resist the devil. Résiste au diable. And it will flee from you. Et il fuira fuir loin de toi. Let us move on. Continue à aller. It says, when you are adultery. L'immoralité. Adultery. L'immoralité. What is idolatry? C'est quoi l'idolâtrie? When you leave God, you begin to call another gods. Call another Baba. Lorsque tu donnes le dos à Dieu et que tu appelles les autres personnes ou entités Dieu. Maybe in Africa. Peut-être en Afrique. Maybe in anywhere. Partout dans le monde. You begin to. If the man begins to tell you, this is what you will bring, this is what you will bring for me to do it for you so that it works for you. Et qu'un homme commence à te dicter ou te dire ce que tu dois faire. That is, you are bowing down to another God. Tu commences à fléchir devant un autre Dieu. That is idolatry. Ça, c'est l'idolâtrie. Praise Master Jesus. Que ce soit loué. Fornication. La fornication. You have a wife. Tu as une femme. You have a wife. Tu as une femme. You are still looking for another woman. Tu cours après d'autres femmes. Your wife is not sufficient for you. Ta femme ne te suffit pas. When you find yourself there, et quand tu fais cela, pray. Prie.
that God will take you away from that place. Uncleanliness. Uncleanliness. La magie. Maybe you will read from there. You will see this thing from there. When you are not clean, when you are not, when things are not, you are not, you are not, you are not pure in heart. You are not obeying. You know good things, but you don't want to do it. You prefer to do the wrong thing. Lorsque tu n'as pas un cœur pur et que tu connais la vérité, mais tu ne fais pas ce que la vérité te dit, ou tu ne fais pas ce que tu dois faire. The other one we have here, loveliness. Okay, that is rape. To forcefully have anything you want, like woman, anything, to force that person to get that thing. Lorsque tu forces quelqu'un à te donner la chose que tu désires. Loveliness. La jalousie, les accès de colère. Adultery. Idolâtrie. A woman that have a husband. Une femme qui a un mari. You say your husband is not sufficient for you. You begin to go out to look for another man. Tu dis que l'homme ne te correspond pas et tu commences à courir. The next one, sorcery, witchcraft. Ah, la sorcellerie. Wait, sorcellerie. Witchcraft. Someone give you that thing you don't know. In the midnight you sleep, you find yourself in another place, planning how to kill people. That is witchcraft. La sorcellerie, c'est lorsque quelqu'un te donne quelque chose dans la journée et que la nuit tu dors et que tu rêves que tu es en train de planer et on te demande des choses. God can deliver you from it. Que Dieu te délivre de cela. Amen. Amen. Then the next one, hatred. La haine. Praise Master Jesus. Amen. We call ourselves children of God. Nous appelons enfants de Dieu. Why do we hate our brother, our sister? Pourquoi nous haïssons les uns les autres? It's a wrong, it's a strong sin in the sight of God. C'est une mauvaise chose dans la maison de Dieu. God don't want it. Dieu ne le souhaite pas, ne le veut pas. God don't want it. Dieu ne le veut pas. Then the next one, contention. To be contending with somebody, maybe you are contesting with somebody and greater than you are doing this, all these things. The rivalité. Praise Master Jesus. Then the other one here, he said jealousy. La jalousie. Why as a child of God? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu? You be jealousy or envious of your brother or your sister. En envie ou en te jalouse les uns les autres. When God do something for your brother or your sister, lorsque Dieu accomplit quelque chose pour ton frère ou ta soeur, or your friend, ou ton ami, rejoice with that person. Rejouis-toi avec la personne. Instead of having that spirit of jealousy, plutôt que nourrir cet esprit de jalousie, so that God can hear your own prayer. Et Dieu va entendre ta prière. I pray God take away that spirit away from us. Amen. Je prie que Dieu enlève cet esprit au milieu de nous. Outburst of wrath. Outburst. Angry. La colère. Praise Master Jesus. Que Dieu soit loué. A child of God does not need to be angry. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être coloré. Anything that is not just, maybe you and your wife or you and someone else, maybe anything, a little thing like this, just get angry. Ça peut être une petite chose qui arrive soit à la maison ou partout. Tu t'enflammes pour la chose. You begin to talk. Tu commences à te mettre dans tous les états. You now forget that you are a Christian. Tu oublies que tu es un chrétien. I pray God deliver us. Je prie que Dieu nous délivre de cet esprit. Another thing, une autre chose. Ambition, l'addiction, l'envie. Ambition, l'addiction, l'envie. Don't be ambitious to get rich anyhow. To have ambition for something, I want to get this thing, I must get this thing today.
ne pas toujours avoir cet esprit de j'ai envie de ça, je vais l'avoir et tu te bats pour l'avoir tout de suite, tout de suite. Did you know that sin leads many people to a great sin? Cet esprit conduit les hommes et les femmes à pécher, à un grand péché, à commettre de mauvais choses. Ambition. L'addiction. To say, if I did not buy this car, I will not live, I will not rest. Ah, c'est l'envie. Lorsque tu te dis, si je n'accepte pas cette voiture, je ne peux pas, je ne peux pas, je dois tout faire. And the money for that car, maybe 20 years, you will not get it. Et le prix qu'il faut acheter cette voiture, peut-être que tu te gagnes sans pour autant le payer. It is a sin in the sight of God. C'est un péché. Praise Master Jesus. Dieu soit loué. Dissension, harassment, heavy, to be heavy one another. Then murder, to kill somebody. God said no. Drunkenness. Division. I will say it here today. God did not ask you not to drink. Dieu ne te demande pas de boire. But when you get drunk, lorsque tu prends la drogue, it becomes sin. Tu deviens un péché. God did not ask you not to eat. Lorsque tu prends l'alcool, when you eat overfeeding, lorsque tu manges et que tu manges à l'excès, it becomes a problem to you and it becomes sin to you. Ça devient un problème pour toi et ça devient un péché. Praise Master Jesus. Revealer. There's someone that has the one that called revealer. If you know what is that, let us just analyze this one. We normally do this one every time. Nous allons analyser ceci, le connaissant. Do you know when you got a hall, maybe a night hall for a party? Lorsque tu loues une belle salle pour une fête, too much drink, et tu amènes beaucoup de alcohol, sang. Yes. And then when you have that party, they begin to do all sorts of things. Chasing other women, dancing, anyhow, that is, go and check it in your dictionary or your Google. It will reveal it to you. That revealer is a sin before God. C'est quoi le matin? A white party. When you do fête, oui. Lorsque on fait une fête, c'est grand fête. On fait une grande fête. Oui. Après, ils boivent beaucoup. Et les gens boivent. Yes. Ça, c'est a big sin in the sight of God. C'est aussi un grand péché. Praise Master Jesus. I pray God to deliver us today. Praise Master Jesus. I just want us to understand all these things. J'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. So that every time when you want to step in, you go and look this place and read it again and see, God doesn't want this thing for me. Lorsque tu veux faire quelque chose, il faudrait que tu puisses analyser, voir si Dieu veut que tu fasses réellement ou pas la chose. Let us finish this place. Finissons. He said, and the light of which I tell you beforehand, just as I also taught you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. I want to tell us one thing this morning, brethren. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Don't think that when somebody dies, he dies like that. Ne pensons pas que lorsqu'une personne meurt, he just dies like that. Et il meurt comme ça. No. No. If it is so, son âme, why do you dream? Pourquoi tu rêves? When do you sleep and you dream? Pourquoi lorsque tu dors et tu rêves? When you dream, you see yourself in another world. Tu te vois dans un autre monde. You are a spirit, brother. Tu es un esprit, bien aimé. We are spirits. Tu es un esprit. When a man dies, lorsqu'un homme meurt, the Bible said, la Bible dit, judgment continues. Le jugement continue. Où arrive? When a man dies, he leaves his body. Lorsque l'homme meurt, il quitte son corps. Why are you on earth?
Pourquoi sommes-nous sur la terre? The reason why we are on earth. La raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Is that when we leave this earth. Lorsque nous quittons cette terre, we go and meet our Creator. Nous irons rencontrer notre meilleur Créateur. But there is a good news. C'est une bonne nouvelle. I want us to see from 22. J'aimerais que nous puissions lire le verset 22. We can do it. Nous pouvons le faire. Praise Master Jesus. Can we quickly just see from 22? Are you still there? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. It says, "For the fruit of the Spirit is love." Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. Did you know? Est-ce que tu sais? With love, avec l'amour, you can be able to conquer all these things that you are mentioning. Tu es capable de conquérir toutes ces choses. Just with love, avec juste l'amour. What is love? C'est quoi l'amour? Just to be who God created me to be. Être ce que Dieu veut que je sois. Just to see you and know that you are my brother. Juste te voir que tu es mon frère. Just to see you where it doesn't matter where you came from. Peu importe de là où tu viens. To know that you are my brother, you are my sister. Que je puisse le savoir que tu es mon frère, ma soeur. That is love. C'est ça l'amour. And God said, et Dieu dit, the fruit of your spirit, le fruit de l'esprit, is love. L'amour, joy, la joie. When you have love, you have joy. Lorsque tu as l'amour, tu auras la joie. When you have love, you have joy. Lorsque tu as l'amour, tu auras la joie. And peace will follow. Et la paix va suivre. I pray for us this morning. Je prie pour nous ce matin. That this thing that we have mentioned, que cette chose que tu will not depart from us. Amen. You don't understand? I said, this thing that we have mentioned, we have already. Les choses que nous avons mentionnées, will not go out from us. Que nous ne puissions pas aller hors cela. Especially. Spécialement. Love. L'amour. Joy. La joie. Peace. La paix. And Bible says. La Bible continue de dire. Long suffering. La souffrance continue. What do you mean by that? Qu'est-ce que cela veut dire? When you pray for something. Lorsque tu pries pour quelque chose. We don't have patience to wait. La patience. Lorsque tu pries pour quelque chose et que tu n'as pas cette patience, t'attends. I can show you several passages in the Bible. Je pourrais vous montrer certaines choses dans la Bible. That who pray, la personne qui prie, and God said, wait. Et Dieu lui dit, attends. God said, wait. Dieu lui dit, attends. Long suffering. Long souffrance. It doesn't matter. Ce n'est pas une question. Even though I don't have a job. Ce n'est pas une question de ne pas avoir du travail. I don't have a document. Ce n'est pas le titre de ce jour. Even though I am begging to eat, quelque chose à manger. Then God said, et Dieu dit, still be thanking God for it. Commence à bénir Dieu pour cela. Still be praising God for it. Loue le Seigneur pour cela. Do as if there is nothing happening. Feel as if nothing is happening to you. Considère que toute chose va le mieux pour toi. That is long suffering. Ça c'est la longue souffrance. People will see you. Quand les gens te voient, say, is this not sister that is suffering from here? You don't have documents. You don't have job. Ce n'est pas cette sœur là qui n'a pas de document. You don't even have a home. C'est pas cette sœur qui manque d'appartement. They will be mocking at you. Ils se moquent de toi. But when you are in the midst of people, lorsque tu es au milieu de gens, you will be the happiest person. Tu seras pour compte heureux. That is long suffering. Ça c'est la longue souffrance. You are dying, you are happy. Tu le portes et tu es content. You are suffering, you are happy. Tu souffres mais tu es content. That is long suffering. C'est la longue souffrance. You think God didn't see you. Et tu penses que Dieu ne te voit pas. You think God is not aware. Tu penses que Dieu ne t'entend pas. Another thing. Une autre chose. Those are things that we need to be doing. These are things that we need to be doing as a Christian. C'est des choses que nous devons travailler en tant qu'enfants de Dieu. It's a kindness. L'aimabilité. Kindness. L'aimabilité. When you see somebody, lorsque tu vois quelqu'un, let this person tell you that I don't need to ask you, are you a child of God? Laisse que cette personne qui est en face de toi ne te pose pas la question, est-ce que tu es l'enfant de Dieu? By your appearance, by your relating with that person. Mais l'apparence ou ce que tu présentes à cette personne. Let your character tell this person that this man or this woman is a child of God. Ne pousse pas cette personne à te poser la question si tu es un enfant de Dieu ou pas. Mais que ton comportement, ton langage, fasse voir à la personne en face.
face de toi que tu es l'enfant de Dieu. L'aimabilité. Another thing, goodness. La bonté. Then the other one, faithfulness. La fidélité. Let people trust you for who you are. Que le Dieu, les gens parlent croient en toi pour ce que tu es. Let people trust you for your Christianity. Que les gens te croient à cause de ta chrétienté. Don't let your Christianity be judged. Que ta vie chrétienne ne soit pas jugée. When you say, because you are a child of God, let people know you that one Abel, you are a child of God. Laisse que les gens sachent que tu es enfant de Dieu et quand ils te voient, ils disent, ah, je laisse tomber, c'est un enfant de Dieu. Did you know that when people know you that you are a child of God? Lorsque les gens savent que tu es enfant de Dieu, there are matters that they will bring to you to talk with you. Il y a des choses qui ne pourront pas venir discuter avec toi. The only matter that will bring to you is the matter that will concern God. Les choses qui vont t'apporter en discussion, ce sont les choses de Dieu. The matter that will concern prosperity. Ce qui concerne la prospérité. Not the one that is like this. Pas les choses qui vont de gauche à droite. Be faithful. Sois fidèle. Be faithful in your Christianity. Sois fidèle dans ta vie de chrétien. In your job. Dans ton travail. In your marriage. Dans ton mariage. In everything that you do. Dans tout ce que tu entreprends. Be faithful. Sois fidèle. That is what God wants from you. C'est ce que Dieu souhaite pour toi. This gentleness. La douceur. So once someone will ask me, say, oh, well, I'm sorry, I want to speak my dialect. Praise the Lord. They will say, oh, what do I mean? When you are too gentle, they will say that people will not shoot down, there is pleasant in your eyes. Lorsque tu es très gentil, les gens vont profiter de mettre le doigt dans l'œil. Non. Non. It doesn't matter. C'est pas comme ça. Even though they do it. Même s'ils le font. Tell that person. If you have paid, pay it. Lorsque les gens le font, remercie-le simplement. That is what determines who you are. C'est ça qui détermine qui tu es. That is the Christianity that you carry. Ça c'est la chrétienté que tu portes. That is the Christ that you carry. C'est le Christ que tu portes. You think that person will go free? Est-ce que tu crois que cette personne va partir librement? He that touches you, c'est lui qui t'a touché. Touches the hand of the child of God. A touché un enfant de Dieu. Even the devil will be scared of you. Si le diable a peur de toi, not to talk of man, pas à parler à un homme. Man will be afraid to look for your trouble. Les hommes auront peur de te mettre en difficulté ou dans les problèmes. Even the devil in the spiritual world. Si le diable dans le monde spirituel. Then say, don't go close to that person. It's dangerous. Il va leur conseiller de ne pas venir vers toi. Il va dire que cette personne-là est dangereuse. Because why? Pourquoi? Réalité de réalité. Ah, en réalité. You will be dangerous for the devil. C'est dangereux pour le diable. And you will be dangerous for any of your enemies in the mighty name of Jesus. Christians, Christians, before they get prosper, avant de donner la prospérité, they take the power of God. Il doit avoir le pouvoir, la puissance, because the devil is not sleeping there and then. C'est pour le diable ne dort pas. To fight, combat. Don't be afraid of that. Ne perds pas de cela. Just do what the Bible says. That's what I mean. Simplement, c'est que la Bible te demande lorsque tu la lis. Then another great thing. Là, une autre grande chose. Self-control. Maîtrise de soi. How many of us can control ourselves? Combien de personnes ont une maîtrise de soi? In anger. La colère. In words. Dans leurs paroles. In anything. En toute chose. In every you see a fine lady or a beautiful lady or anything, how many of us can control ourselves and seize yourself and say, no, I'm a child of God? Combien de personnes ont la maîtrise de soi face à un problème, à une difficulté, à une femme, tu te dis, non, ça je ne peux pas, tu recules. Those are what God wants us to do. C'est que Dieu veut que nous puissions faire. Hear what the Bible says. Regardons ce que la Bible dit. He said, against us. Against us, there is no law. La
abide you. La loi ne condamne certes pas des têtes chaudes. When you can obey, that is just mention. Lorsque tu obéis à ces choses que nous venons de citer, when you can stand in the gap of love, lorsque tu te tu lorsque tu es face à la loi, the Bible says there is no law. La Bible dit il n'y a pas de loi. That means cela veut dire your heaven is guaranteed. Oh, le ciel est garanti pour toi. I pray for us this morning. Je prie pour nous ce matin. That as many that hear the word of God this morning, ceux qui écoutent la parole de Dieu ce matin, we will not miss our heaven. Nous ne manquerons pas notre ciel, notre ciel. Brethren, don't think that there is time. Ne pensons pas qu'il est temps. We didn't came the same day. Nous ne sommes pas venus le même jour. They are going, we don't go the same day. Nous ne sommes pas venus le même jour et nous ne repartirons pas le même jour non plus. Before I was born, avant que je naisse, people have been preaching the way we are doing it now. Les gens faisaient ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui. People have been hearing the word of God. Les gens écoutaient la parole de Dieu. But many change. Beaucoup ont changé. Many tongues lost. Many tongues lost. Beaucoup ont perdu. Brethren, bien aimé, nobody lives forever. Personne ne vivra éternellement. Anything you do in life, tout ce que tu fais dans la vie, have it in mind. Gardons-le à l'esprit. Nobody lives forever. Personne ne vivra éternellement. Tell yourself, dis-toi toi-même, I'm not going to live forever. Je ne vivrai pas éternellement. If I die, si je meurs, where do I go from here? Où irai-je? Plan your way today. Prépare ton chemin aujourd'hui. Carry God. Porte Dieu. As our topic. Carry God. Porte Dieu. As Joseph, carry God. Beaucoup de choses à gagner. When you carry God, when you walk, you walk bold. Lorsque tu marches avec assurance. Think about it. Pense à cela. This thing that we just finished reading. Ces choses que nous venons de finir de dire. If only you have been living like this. Lorsque tu cites seulement, tu peux vivre comme ça. You think your life will remain like this? Est-ce que ta vie va tourner en rond? No. Non. Your life will never remain the same. Ta vie ne sera pas la même. And today, because you have heard this word, parce qu'aujourd'hui tu as écouté cette parole, Holy Spirit will minister this word to you. L'Esprit de Dieu te conduit. Holy Spirit will minister this word to you. L'Esprit de Dieu t'aide à parvenir à réfléchir. The devil can never steal it from you anymore. Le diable ne te retient pas prisonnier. When you leave this place, parce que tu quittes ces lieux, this word shall begin to ring in your head. Continue à trotter dans ta tête. You will begin to meditate by yourself. Commence à méditer, à ruminer cette parole. And you will begin to pray for your life. Commence à prier pour ta vie. And say, Lord, Dieu, thank you for hearing my word. Today I am a new man. Today I am a new woman. Today my life has turned to good. I will continue to live by your word. Continuera à vivre par ta parole. Be afraid. Je n'aurai pas peur de ce que je vois. I will not be fear. I will not be afraid of death that threatens me. Je n'aurai pas peur du traitement qu'ils peuvent me donner. Do you know? Est-ce que vous savez? What this world has turned into? What this world has turned into? Lorsque when you have problem with somebody, et que tu as un problème avec quelqu'un, it will tell you. Et que cette personne te dit, I will deal with you. Tu verras. But when if you know who you are, mais lorsque tu sais ce que tu es, can somebody threaten you and say that I will deal with you and you will be afraid? Est-ce que si quelqu'un te dit, when tu verras ce que je fais de toi et que tu auras peur? When you carry God, lorsque tu as Dieu avec toi, can somebody tell you I will deal with you and you will be scared? Est-ce que quand tu portes Dieu et que quelqu'un te menace que tu verras ce que je vais te faire, tu vas avoir peur? When you know who you carry,
lorsque tu sais qui tu portes, when you know that greater is he that is in you, lorsque tu connais la grandeur de celui que tu portes, and somebody tell you I will deal with you, et que quelqu'un te menace, you will pity that person. I forgive you and I pray for you. Et tu diras à cette personne, je te pardonne et je prierai pour toi. Because when he tries you, lorsqu'il va essayer, when he tries you, lorsqu'il te menace, it's just like a baby who went to go and put his hand in fire. Et c'est comme un enfant ou un bébé qui prend sa main qui met sur le feu. And when the fire burns the baby, he will remove, he will release his hand immediately. Et lorsque la main de l'enfant ou du bébé touche le feu et il réalise exactement qu'est-ce qu'il y a en face de lui. You will become a father before your enemy. Tu deviendras le feu devant toi. You will be a father to your enemy. I want you to begin to tell yourself that greater is he that is in me. Je verrai que tu te dises en toi-même, c'est lui qui est en toi. Dis-toi toi-même que tu as Dieu avec toi. From today, à partir d'aujourd'hui, I will have the mentality that I carry God within me. J'aurai la mentalité que je porte Dieu avec moi. Brethren, turn it to prayer. Commence. Turn it to prayer. Commence à dire, à prier. Stand up and turn it to prayer. À prier. Tell yourself that I carry God within me. Dis-toi toi-même que tu portes. Jesus is alive in me. Dieu est avec toi. Jesus is alive in me. Dieu est avec toi. I am born of God. I am a child of God. The Bible says that whosoever that is born of God overcomes the world. Lorsque je suis arrivé dans le monde, whosoever that is born of God, tous ceux qui sont nés en Dieu, overcomes the world. Ils vont vaincre le monde. Automatiquement. Et tu es un vainqueur. You are an overcomer today. Projet d'acheter un local. But do we just really have the money to pay for us?
et que nous avons si nous avons l'argent pour le payer directement, it's better we secure where we are fellowshipping with God first. Il est important que nous puissions prendre soin où c'est plus là où nous réunissons. Before we plan that, avant de voir le planifier. Praise God and Jesus. I want us to just it's 20 euros every month. C'est 20 euros tous les mois. I want us to do some kind of just giving the money to the boss of God to say this is my money for this month, and we shall love to continue with it as we stay here. J'aimerais simplement que nous puissions contribuer au loyer. Brethren, let me tell you this. When you have a plan of building a house or you have a building that you are already building. Lorsque tu as un plan pour bâtir un endroit ou un bâtiment, to give to the environment or to the rent of the church. Apprenons à donner ou à payer le loyer de l'église. Let to give to make sure the house of God stands. Apprenons à donner à la maison de Dieu. As you do that, lorsque tu le fais, your own building, c'est que toi tu veux bâtir ou construire, will be going on. Cela va avancer. Even though you don't have the money, même si tu n'as pas d'argent, God will take care of it. Dieu prendra soin. Even though you have already built, c'est que tu es en train de construire le bâtiment. Do you think that everyone that have rent in his house that they pay? No. The rent, maybe you. Le loyer. When you put it in the hands of God, lorsque tu le mets entre les mains de Dieu, when you pay for the house of God, lorsque tu payes pour la maison de God, will make your own tenant to pay for you. Dieu mettra des gens pour payer aussi pour toi. Let us sustain the house of God. Payons la maison de Dieu. Praise Master Jesus. Que Dieu soit loué. If you have your 20, you are just wanting to bring it. Si tu as 20 euros. But if you don't have, there will still be a paper and just do that for me. And you just write it. Et si tu n'as pas les 20 euros aujourd'hui, il y aura un papier pour que tu puisses te notifier. Afin que tu puisses te notifier. And if you have your own 20 euros, you can bring it. Si tu as 20 euros, tu peux les donner. Praise Master Jesus. This is not our offering. Ce n'est pas notre offrande. This is for rent. Ça c'est pour le loyer. Praise Master Jesus. It's for rent for the church. Ça c'est pour le loyer de l'église. You and I will not be here one day and the Lord will turn around and say, go back. Nous ne pourrons pas venir un jour en séjour. God will never be happy with us. Dieu ne sera pas content avec nous. For God will be happy with you. Pour que Dieu soit content avec toi. 20 euros is not too big. 20 euros, c'est pas beaucoup. In fact, sometimes when you give to God, lorsque tu donnes à Dieu, you will see the power of God. Tu verras la puissance, la main de Dieu. You will see the miraculous power of God. Tu verras la main miraculeuse de Dieu. Than to be looking for a miracle elsewhere. Au lieu d'aller chercher le miracle. Than to be looking for someone to prophesy to you. Au lieu d'aller chercher quelqu'un qui peut prophétiser. To tell you what tomorrow will be. Que Dieu soit loué. If you have your 20 euros, please, you can drop it here. Si tu as tes 20 euros, tu peux les déposer dans le panier. So that we do something else. Merci. Thank you, my brother. God bless you. Et Dieu te bénisse, mon frère. If you don't have your paper, you don't have your money here right now. Do you have a paper? Just, I want us to. Merci. I want us to. To gather the money to pay for this rent. We cannot afford to live and they will ask us to go and we don't have money to pay. Please. There is difference between having a church or serving, praising God every Sunday than to come and say, I will pray in my house. No. When you come here, you hear the word of God. The word of God will prepare you for heaven. La parole de Dieu te prépare pour le ciel. But when you are at home, et lorsque tu es à la maison, the devil can divorce you. Le diable peut te dévancer. He can do something else. Il peut faire n'importe quoi. And the heart of the way of God. Give them, just write their names, please.
Pour les personnes qui n'ont pas aujourd'hui, qui veulent payer le loyer de l'église, le pasteur qui va se lever, vous notez juste our offering is not enough for us to be paying for rent. We need to know that. Les offrandes ne sont pas assez pour que nous puissions payer le loyer de l'église. Sometimes we do something that God will be marvel and say, that is my son, that is my daughter. Na kata